Allô? Oui. Ça va? Chou? Aïe. وهذا المنتج هو له. مردانيا أيا نجي كان ليجي الطيارة توالي نجي باي مع السلامة C'est quoi? C'était qui au téléphone? Ainsi donc, je ne reverrai plus ma mère. Elle est morte hier, là-bas, très loin. Et là, soudain, je me sens seul. Très seul. Accepte cette contribution de la communauté. Ça t'aidera à acheter ton billet d'avion et à faire face aux dépenses liées au décès. Merci. Merci, Eric. Merci beaucoup à vous tous. Vous savez, ma mère, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vue. Dix longues années où j'ai choisi de partir. De vivre loin des gens que j'aime, c'est l'exil, quoi. Quand on choisit de vivre loin de ses parents, de ceux qu'on aime, eh bien, il faut se faire aussi à l'idée de ne pas les voir mourir. Et c'est ça qui est le plus difficile à accepter. 10 ans. Vous vous rendez compte? Ouais. Votre maman a téléphoné, elle viendra vous chercher ce soir vers 18 h. Oui. Ça vous va? Oui. Mmh. Papa, oui. Quand est-ce que tu nous amènes au Tchad? Au Tchad? Oui. Ben, tu sais, ta maman n'est pas vraiment d'accord. Hein. Elle veut pas que vous y alliez, donc je sais pas. Mais je ne désespère pas. Hein. Papy aussi aimerait bien vous voir. Et tu sais, mamie aussi, elle voulait que vous veniez, tout ça. Puis maintenant, elle est morte, la pauvre. Voilà.
Alors, comment va ce pays? Il va très bien, sinon c'est la chaleur de nos amers. La chaleur, oui, je vois ça, 45 degrés au moins. Et puis l'essence coûte extrêmement cher. Une litre d'essence à 1000 francs. 1000 francs? Oui, mais c'est justement 10 francs français. Mais comment vous faites? On se débrouille avec le brodeur à 875, 750 litres. C'est quoi? Là, on prépare une très grande fête. On aura au moins 12 chefs d'État qui vont venir. Pas tout très cher en ce moment. صلينا في الليل عمك قربت ودينا للدكتور الدكتور قال لي حالة ما في القلب وقف وده ما قدر انا ناله ده قدر انا الله جنيه استخيري أنينا الكبار كل دراما قاعدين بنيسة خيري كيف قالها كل يوم إنا لله وإنا إليه راجعون
الله العظيم. زين تو. ندا. ندا علي. وليت انا اخت. علي. جيب لي علي. Moi aussi, mon vieux. Ça fait longtemps. Ça va? Très bien, et toi? Ça va. Et t'as pas changé, hein? Ah là là. Ça fait plaisir. Ah, je suis content. Si, désolé, j'ai appris la mort de la vieille. Fatia. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحه سي سلامية تصويرك ده كان متاع اي منا تصوير ده ما شغل مهم لي كل يوم سينما كل يوم سينما عارفة انا وعمك شغلك ده كان ما فيه منا تذكر كاسيت جبت لنا شي منا ما فيه منا خلبك بس بحج بنصراني وايد اي اسمه فريد فور فيجر اها لكن افلام دول ما لنا علينا ده افلام هنا نصارى وهسه وقت ده كان بيجي الدكتور ده لا امك دي تقدر تداويه خدمة أنا دكتور ده خدمة مهمة لكن سينما ده نفع شنو دار النصارى ده حلو لكن دار ما دارك ده متوقع دارك كان يوم انت فكر بس منهم ده انت ده وتر خلاص
الله أكبر ديما عمك نتذكر والله ده في فاتي أنا أختك نتذكر أي لحظة ده قربه بس سواء أسوارها ما دوامه صحيح أمك في زمانه يا مرة جميلة أنا أقول لك قمبي جيك كبير راني دور نسيسي يا Eh bien, tu vois, c'est pour la mémoire que je fais du cinéma. Il y a un grand homme qui s'appelle Jean-Luc Godard qui a dit « Le cinéma fabrique des souvenirs ». Kalamata sahih, Ufri Darba. Rafiga. Allah yakadirak, ya wali. Amin. Allô. Non. Quelle fortune est grande. Je suis encore plus mal d'avoir raté l'enterrement de ma mère. Cette ultime occasion pour revoir son visage. Je suis dans un tel état de choc que je sens l'immense besoin de me réfugier quelque part, dans le cinéma sans doute. Pour tuer mon chagrin, je vais faire un film à la mémoire de celle qui m'a donné la vie. J'ai appris que tu t'es marié, tu as eu des enfants et tu as divorcé après. Ah, garba. Ah, voisin, ça va? Comment tu vas? Comment tu vas bien? Alhamdulillah. Ça va? Tu connais? C'est Haroun Mohamed Saleh, notre seigneur. Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Tu vois, ouais, c'est lui. J'ai quelque chose à vous dire. Attends, j'arrive. Quand est-ce que tu vas nous faire un autre film? Dans un an, j'espère. Ça s'appelle Bye Bye Africa. Et ça parle de quoi? C'est difficile à dire. C'est un exercice à tiroir. Ça parle du cinéma, de l'exil, de la famille, de l'amour, de la vie, quoi. Comment filmer la vie? C'est la question que je me pose. Tes films, on ne les voit même pas. Ni d'autres films africains, d'ailleurs. Oui, je sais que personne ne voit mes films ici. Je me demande alors pour qui je les fais. C'est l'une des raisons pour lesquelles Garba ne veut plus travailler dans le cinéma. Il préfère cultiver des tomates. À l'évidence, le cinéma fout le camp ici. À N'Djamena, tout est en déliquescence. Et mon ami Garba, ancien projectionniste du Normandie, se retrouve aujourd'hui sans travail. Je me demande s'il se souvient encore des séances de 10 heures, le dimanche, dans cette salle. Nous venions là pour les films, certes, mais aussi pour les belles filles. Cinéma et belles femmes étaient alors nos deux mamelles nourricières. Garba nous regardait avec tendresse. Souvent, il me laissait entrer gratuitement. Et je crois bien que c'est lui qui m'a donné l'envie de faire du cinéma. Est-ce que tu penses à l'autre que le cinéma a encore un avenir ici? Mais je le crois, c'est pour ça que j'en fais. Mon cher, moi je ne crois pas. Avec tout ce que je vois là, vraiment, moi, je ne crois pas. Tu vois l'état de ces salles. De toutes les façons, mon cher ami, moi, je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas.
Écoute, tu me désespères un peu, hein? Non, non, je t'encourage, moi je ne désespère pas, mais je sais que tu perds ton temps, mais je t'encourage. Merci, c'est gentil, merci. Au cinéma dans un pays où la guerre est devenue une culture. La guerre a fait tellement de ravages que N'Djamena semble se dérober à toute mémoire. Où sont donc passées les salles de mon enfance? Le Normandie, bien sûr, mais aussi le Scheherazade, le Rio, le Vogue qui s'est transformé en hôtel et l'Étoile. Mon père a créé le cinéma Étoile en 1946 et bon, il est dans cet état après les événements de 79-80. Sinon c'était une salle qui marchait très bien aussi et de temps en temps il y avait des scènes de théâtre. Pourquoi vous le conservez dans cet état? Qu'est-ce que vous comptez en faire? J'ai toujours parce que j'ai grandi dans le cinéma, dans le sens des films de cinéma, et je suis très cinéphile, je le conserve pour lorsque j'aurai des investissements pour en refaire un cinéma flambant neuf. Parce que vraiment, il est très cher de faire revivre l'esprit de cinéma dans mon pays. Oui, vous croyez encore à l'avenir du cinéma dans ce pays? Je vois l'avenir est un peu sombre, vu les... Maintenant, nous sommes... Il y a tellement de télévision, de magnétoscopes, les cassettes et surtout les paraboles. Et vous voyez maintenant avec les paraboles, les films même récents, si je puis dire, viennent par le biais de la télévision. Mais j'ai confiance. J'ai toujours été quelqu'un de, je veux dire, qui tient à réaliser ses rêves. Et parmi l'un de mes rêves, c'est de restaurer le cinéma Étoile. Moi, je suis cinéaste, je fais des films, je suis tchadien, et est-ce que ça vaut le coup que j'en fasse, puisqu'il n'y a pas de salle? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à me donner? Je pense qu'il faut aller au bout de vos rêves, et si vous êtes cinéaste, et produire, ça ne peut que rehausser le pays. Et si vous faites les films, nous aussi, on pourra essayer de rehausser le cinéma. On pourrait se joindre pour faire quelque chose, apporter un souffle nouveau. Je pense que la jeunesse tchadienne n'attend que ça. Avec la grâce de Dieu, je pourrais vraiment refaire le cinéma Étoile. Écoute-moi, je vous souhaite... Avec vos films, bien entendu. Fisubuke. Fisubuke ni ki ashara barat. Wallahi min mata. Min tawale hay.
Wasa cinéma tala vla itifikra kinu. Cinema kinu tala vla cinema sama mara wai. Nas magaya juga kira. Nas juga juga kira mamira aliyom palsi. Orib katir ahat aliyom. Maya kita dapat. Ada kita katir aliyom. Aliyom. Nam kita kalau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Adam Hassan. Portier Zek. Rien à porter. On nous connaît une vidéo qui a mal été faite à la soupe. Le problème, à l'appareil. À l'appareil, je nous filme que dit. Ou à l'appareil que dit, moi, c'est à faux. Quand l'appareil, quand j'ai dit, quand le film j'ai dit, vidéo, je vous dis, franchement, je vais vous dire, je vais vous dire, là, je vais vous dire, je vais vous dire, da toko de murta tishif video ro toko de trapa toko de birish may kun sawa Ah,
Ouais, c'est ça, rigole, ouais. Rigole, rigole, vas-y. Putain, il était fou, hein. C'est là, il ne t'empêchera pas de continuer à filmer. Mais tu fais mal, putain, arrête. Ah, attends, alors ça te fera du bien. Quel bien, arrête, mon Dieu. Non, laisse, laisse. Non, 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 ça suffit, merci, putain. La médecine traditionnelle, genre... Non, 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 ça va, merci. Non, ça non, allez, 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 arrête, 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 une fois, une fois. Je fais une fois, une fois. Ok, une dernière. Une dernière, oui. Voilà. Ouais. Bon. Alors, bon, ça coûte, hein, de faire du cinéma dans ce pays. Mais tu n'as pas de cinéma. Mais tu m'en as. Je n'adore pas, tu n'as pas. Je ne cesse de penser à cet homme qui m'a agressé devant le Sheherazade. J'avoue que je ne comprends pas du tout sa réaction. Garba m'a dit, tu as trop longtemps vécu à l'étranger. Ensuite, il a essayé de m'expliquer. Ici, les gens se méfient beaucoup de la caméra. On a un gros problème avec les images. On n'arrive pas à faire la différence entre la fiction et la réalité. La preuve, la comédienne qui a joué dans ton film sur les SIDA, après le passage du film à la télé, tout le monde a cru qu'elle était réellement atteinte du SIDA. Même sa famille et ses parents l'ont abandonnée. Elle est complètement rejetée. Et je ne sais même pas où elle est maintenant. Franchement, Haroun, tu dois te poser des questions sur ta propre responsabilité. Isabelle, je l'avais oubliée, celle-là. Pourtant, nous avons passé de bons moments ensemble. Je me souviens de la beauté de son regard, de ses longues jambes en colonne d'ébène, de la gracilité de son corps si farouche, elle devait avoir à peine 17 ans. Petit, du ballon à peur. Pardonnez-moi, du ballon à merdette. Bon sang, elle est où, Isabelle? Elle est où? Où et comment la retrouver? Il faut produire. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Cette assistance qui développe en nous la mentalité d'assister, nous n'en voulons vraiment pas. Mais la production, si j'ai pris le cas des céréales, ne se limite pas seulement à l'agriculture.
La production, ce sera dans tous les domaines, à l'usine, dans le bureau. Et j'invite chacun à la production intellectuelle. Vous l'avez tous reconnu, c'était la voix de Thomas Sankara, mort il y a exactement 10 ans. À travers toute l'Afrique, nombreux sont ceux qui rendent hommage aujourd'hui à l'ancien président burkinabé, et parmi eux un tchadien, poète et dramaturge, Koulsi Lamko. Il lui consacre un compact disque dont nous diffusons plusieurs extraits dans cette émission. Ça va, maman? Ah, vas-y, ticket. Accuse les larmes d'avoir rendu ce visage triste, d'avoir trahi ce visage innocent. Oh, les larmes, oh, les larmes, oh, ma, eh, eh, eh. Tu viens te baigner. Il a fallu les larmes pour l'avouer. Je sais que ce n'est pas de ta faute, car ton mariage serait obligé. Sauf les maman, sauf les beautés. Sèche tes larmes qui me font pleurer. Lâche-moi.
Ma gazelle, qu'est-ce que tu as? Tu veux que je te fasse des... Arrête, Aro. Petits guili-guili. Arrête. T'aimes bien ça? Arrête. Je suis foutue, Aro. Ton film m'a tué. Tout le monde me croit malade. Pourtant, j'ai passé des tests demain. Rien n'y fait. Le cinéma est plus fort que la réalité. Mais t'es pas foutue, Isabelle. Tu n'es pas foutue, regarde-toi, t'es plus belle que jamais. Hein? On est là, tous les deux, ensemble. Tu n'es pas heureuse de me revoir? Emmène-moi avec toi. Je ne veux plus rester ici. Emmène-moi avec toi. Écoute, tu le sais très bien, je peux pas, c'est impossible. Arrête de rêver un peu. Dis-moi, tu n'as jamais été amoureux de moi? Amoureux, amoureux. Pourquoi faire? Tomber amoureux, pourquoi, Isabelle? Je t'ai tellement attendu, Aaron. Arrête un peu ton cirque maintenant, Isabelle. Tu m'attendais tellement que tu as fait un gamin avec un amoureux. Alors, raconte-moi, j'espère que c'était très bien, que tu as pris ton pied. Arrête, Aaron. J'espère qu'il t'a bien baisé, au moins. Peu importe. J'ai eu un petit garçon. Et je lui ai donné ton prénom. Écoute, tu me prends trop la tête avec toutes ces histoires. Je dois partir parce que j'ai des choses à faire là, je peux pas. Pardonne-moi, mais il faut que je parte. Tu pars déjà? Oui. Va-t'en. Va-t'en, Aron. Disparais. Devant la mort annoncée de notre cinéma, Garba n'a qu'un rêve en tête. Partir pour les États-Unis. Son destin reste accroché à cette hypothétique loterie. Les Américains font miroiter leur Eldorado dont la publicité fleurit dans tous les journaux. Monsieur Haroun, j'ai lu votre scénario. Il est pas mal, vous savez. Il y a vraiment des choses intéressantes. Vous voulez boire du thé, peut-être? Oui, avec plaisir, oui. Nathalie, apportez-nous du thé, s'il vous plaît. Il n'y a plus de thé, monsieur le directeur. Comment ça, il n'y a plus de thé? Le planton n'est pas là? Je ne l'ai pas vu. Oh, excusez-moi, monsieur.
Désolé, monsieur Haroun, il n'y a plus de thé. Bon, c'est votre planton qui est absent, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? On les paye bien pourtant, ces gens. Bon, on va parler maintenant de votre histoire, monsieur Haroun. Bye bye Africa, c'est une belle histoire. Des dialogues très intéressants. Mais comment vous expliquer? Le budget est trop élevé pour nous. Moi, je vais bien produire ce film, mais il faudrait un peu peut-être diminuer vos ambitions, circonscrire un peu votre histoire. Comment dirais-je? Vous avez une caméra. Pourquoi ne tourneriez-vous pas avec votre caméra, monsieur Haroun? Vous rigolez. Vous parlez de cette caméra? Mais pourquoi pas? C'est une très bonne caméra. Vous avez compris ce que je veux faire? C'est du cinéma, du vrai. Ne soyez pas dur comme ça, monsieur Haroun. Vous savez, avec les technologies nouvelles, on peut aller plus loin avec ces caméras. On peut faire des grands films. Moi, je ne peux pas produire votre film avec ce budget. Nous n'avons pas les moyens. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui puisse vous produire avec un budget pareil. Moi, je veux bien vous aider. Je veux bien que le cinéma émerge. J'aime beaucoup le cinéma. Mais je ne peux pas, monsieur Haroun. Je ne peux pas. C'est trop cher pour moi. Et pourtant, c'était une belle histoire. Bye bye, Afrique. Au revoir, jeune homme, et ne renoncez pas. Hein. Ne renoncez jamais, d'ailleurs. Je dors à la affaire du film Bye Bye Africa. Bye Bye Africa, film à la maman Salé Haroun. Ambakir ou Alium ou le Tajurina Saïd Nin. Et je m'agarde pas sur affaire à Chanel Abo Lena Dorana. Bye Bye Africa. Bye Bye Africa, Alium Saïd Nin, maison de la culture. Bye Bye Africa, Bye Bye Africa. Je vais t'en aller. Mais quand de la culture,
Mais vraiment, toi, hein. Un peu vers la gauche. Allô, ça va. Ça va. Comment tu vas? Ça va. Ça va. Ça va. Eh bien, ça fait plaisir. Ça. Mais dis donc, je savais pas que tu étais là. Ça fait 2 ou 3 jours, tu vois, que je suis là. Ah d'accord. Ouais, ouais, c'est Garba qui m'a dit que tu étais en tournage ici, quoi. Le projectionniste, hein? Ouais, ouais, l'ancien du Normandie, tu te souviens. Voilà. Ça se passe bien? Ouais, très bien. Pour l'instant, on a des problèmes d'électricité, tu vois. Toute l'équipe est là. Ouais. Bon, vous attendez, quoi. Ouais. C'est à cause du Nigeria, il y a petit pétrole, ils ont des gros problèmes. C'est ton fils? Non, c'est mon neveu, tu vois. Je viens te voir pour lui. Mmh. Je sais pas, est-ce que tu pourrais le prendre, tu vois, pour une journée, pour qu'il voit un peu comment se passe un tournage? Parce qu'il n'arrête pas de m'emmerder, hein. C'est le mot, tu vois. Le virus, ça, voilà. Le virus. Déjà, tu vois. Mais je lui souhaite beaucoup plus de chance que moi, parce que pour le moment, moi, ça va pas très fort, quoi. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, écoute, Bye Bye Africa, ça marche pas vraiment. J'arrive pas à trouver de producteur. Enfin, j'ai rencontré un Tchadien qui s'est défilé à un moment donné. Ah bon? Ouais. Enfin, bon, je travaille. Sans beaucoup d'espoir, ouais. On fait mon casting. Et puis voilà. Enfin, ouais. Ce petit, si tu peux me le prendre pour une journée. Oui, il n'y a pas de problème. Petit, calme. Ali. Ali.
Bon. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, ouais. Hein? Ouais, je t'en prie. Bon, mais bon vent et bon courage. Courage, toi, surtout. Salut. À bientôt. Merci. Bon, patron qui revient. Bon, alors. Dans le film que je suis en train de préparer. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Vous allez vous présenter, je vais vous filmer. Vous regarderez l'objectif de la caméra, vous vous présentez et vous me dites pour quelle raison vous voulez faire du cinéma. On est bien d'accord. Oh, oh, c'est ici que ça se passe. Hein ? Je m'appelle Hala Fantina Bata, je suis comédienne, je suis élève. On se connaît? Oui, parce que j'ai joué dans votre film Boui Boui. Et depuis là, je me suis mariée. Et mon mari, il ne faut pas que je fasse du cinéma. Alors pourquoi vous êtes là? Je suis là, c'est parce que je veux mes revoirs, surtout ma belle famille. Mon mari de lui était d'accord, et puis... Ses parents lui ont dit pourquoi tu te mêlais à une comédienne, etc. Et puis vraiment, je n'ai pas de problème, surtout ma mère. Et puis mon mari aussi dit qu'il ne faudrait pas que je fasse du cinéma. Et moi, je veux faire. J'ai envie de le faire. Quelle est l'image pour eux, une comédienne, c'est une mauvaise fille qu'est-ce qu'ils en pensent? Oh oui, une comédienne, c'est une mauvaise fille, c'est pas vraiment... Bon, la tradition n'accepte pas ça. Et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour t'aider? Vous pouvez leur faire comprendre ce qui se passe. Et vous aimez vraiment le cinéma? Oh oui, j'aime bien faire le cinéma. Ça me plaît beaucoup, vraiment. Vous jouerez toute nue, est-ce que votre mari accepterait ça? Non. Mari, je passe. Et vous, est-ce que vous accepteriez? Tu? Est-ce que tu accepterais? Oui, pour moi, je peux accepter. Pour faire le cinéma, je peux accepter.
Mais tu es prête à sacrifier le mari ou le cinéma? Le mari d'abord, que la tradition oblige. Quelle raison vous voulez faire donc du cinéma? Pour quelle raison vous êtes là? D'accord? Il y a une chute des jeunes filles, balan qui n'y a cinéma de ma une mich un nas du chocolat chez cinéma de ma chocolat n'a pas été ou la qui la qui m'a un an d'ailleurs il y a une nas d'ailleurs une couille chère de chère une couille à quoi n'y a pas de chère d'ailleurs à l'heure de fibre à cinéma de chocolat mouhim ou à quoi. Parce que moi je veux faire cinéma parce que je veux que les gens m'adorent, je comprends, mais je voudrais que les gens m'aiment, je veux être une star. Est-ce que tu es prête à tourner toute nue dans un film? Pardon? Tourner nue? Je suis désolée, c'est non. Mais vous êtes chadienne, vous n'êtes pas chadienne. Pour que j'aille monter mes seins et mes fesses et ensuite on va me voir au cinéma pour qu'on me montre du doigt ensuite. Déjà à cause de ma couleur et de mes cheveux là, on me dit chaque jour que voici la Camerounaise qui part de la Bagovie, jamais. Mais pour qui vous prenez? Vous êtes venu pour voir tout mes seins nus? Je ne sais pas pourquoi vous allez chercher une comédienne, je m'en vais. D'accord. Alors c'est parti. Au top, vous pouvez commencer. Est-ce que tu peux rigoler? Rigoler? Oui. Rigoler? Oui, voilà. Est-ce que tu espères être prise pour un rôle dans ce film? Oui, je l'espère. Coupé. David Pierre Fila, boîte postale 930, Brazzaville, Congo. Mon cher frère Aaron, j'ai appris que tu prépares un film sur l'état des lieux du cinéma chez toi au Tchad. Je sais que la situation est un peu partout la même dans notre continent. Ici, au Congo-Brazzaville, la salle de cinéma de mon enfance, à Potopoto, où je regardais mes premiers films comme Godzilla, Mangala, fille des Indes, n'est plus. Elle a été détruite par la guerre. Il devient de plus en plus difficile de produire et de distribuer nos propres images. À la place des salles émergent des clubs vidéo. Comment croire tout à fait en un cinéma qui n'est plus, sinon qu'à travers les images que nous avons filmées? Je voudrais terminer ma lettre par cette citation d'Aimé Césaire, faite à la Sorbonne en 1956. La crise culturelle que nous traversons actuellement peut se résumer ainsi. Cette culture qui est la plus forte sur le plan matériel et technologique menace d'écraser toutes les cultures plus faibles. Surtout dans un monde où les distances ne sont plus un obstacle. Car les cultures techniquement plus faibles n'ont aucun moyen d'assurer leur protection. Toutes les cultures ont en outre une base économique, sociale et politique. Et aucune de ces cultures ne peut continuer à vivre si sa destinée politique n'est pas entre ses mains. Je voudrais te dire aussi qu'aujourd'hui, le vent du large souffle sur ses brûlures une poussière de sable, les dépouilles de l'armatan venu peut-être du Tchad. Écris-moi, David Pierre Fila, boîte postale 930 Brazzaville. Comment vois-tu ton rôle de gérant d'une salle vidéo? Bon, mais disons que c'est un phénomène de société et je ne peux pas comment expliquer ça, mais c'est que y a un phénomène d'insécurité qui fait que les gens se sentent mieux quand ils sont dans leur secteur habituel. Donc dans leur quartier, des trucs comme ça, bon, les gens
savez, à un moment donné, l'insécurité était très grave, c'était un problème pour la ville de N'Djamena. Donc, les gens ont déserté les salles de cinéma et de l'autre côté, je crois que les salles de cinéma également sont pénalisées parce qu'on ne leur envoie plus des films. Il semblerait que pendant les événements, la guerre de N'Djamena, que les besoins de distribution de films ont reçu et pas mal de films à N'Djamena. Donc, ces maisons ne se permettent plus d'envoyer des films au Tchad. Donc, disons que nous, on a pris en quelque sorte la place des grandes salles de cinéma, mais de toutes les façons, le cinéma demeure meilleur. Pour moi, le cinéma demeure meilleur qu'une salle de vidéo. Est-ce que tu passes des films africains? Oui, quelques rares fois. Le problème est que nous n'avons pas un circuit de distribution de films africains. Bon, la plupart des maisons de location de films à N'Djamena sont détenues par des expatriés européens. Et ces gens ne mettent pas à notre disposition des films africains. Je ne sais pas, peut-être qu'eux-mêmes, ils n'en trouvent pas en France, ou je ne sais pas. C'est un peu difficile. Alors, Hassan Gaté dit Kouraketiro à Hini. La gagne qui fit le ciné d'Ibid Mara. Chanchon, il y a eu un film pour ici, nous, on va y la flamme. Il y a eu un film chez nous à la barre et tout. Ma divin. Bien. Bien, il y a eu un cinéma. Cinéma chez les arts. Darin, non, Amal Choya. Bien, la flamme Judat Mayel. Et moi, je suis من الأمال ولا من التجار الأفلام ذات
Monsieur Vaupias. Vous. Je n'ai pas mes pièces, hein. Pas de pièces. Je les ai oubliées. Là, tu donnes la minute. Je ne savais pas, est-ce que c'est nécessaire de se promener avec ces pièces? On vous arrête, monsieur. On vous arrête. Alors si vous promenez sans pied, on vous arrête. Alors ça dit, monsieur, ça dit, n'est-ce pas, ma mère. Attends. Prochainement, hein? Prochainement, ne vous pas promener sans pied. Prochainement, je vous dis. Voilà. Allez-y. Merci. Allez-y. Ayledi gitti malakas nanki. Karab maşi de basalla ki kef. Ayy ha. Gitti. Allah lay ma yarın dikari. Kalas bakır satıp şile yar. Allah lay yarın dikari. Di khidmi kati. Hay tiki tiki tahdim fil balad da mata. Ay balad da. Nau ya. Duka. C'est pas pour bientôt. Wali ya. أما تقدر تشوفهم كنام ما ماشي وأنا نشوفهم متى وليد ما تقدر لمرة الهي بلاقي الهي يا لك ده كن قاعدين كل نلمه بس شيف يا ولد الكبر داكم والشيب كله جاب والموت كله معانا السنة لما مات الدان أنا قاعد مسجول للوحشة بس وأنت كبير هنا عيالي في الواجب ده تشيل مسؤوليتك Oui, c'est ça.
لله وإنا إليه راجعون. Garba, ce n'était qu'une aventure pour moi. Tout ça s'est terminé avec la fin du tournage. Je me souviens de tout. Du début. Et aussi de la fin. Je me souviens de tout. Je lui ai dit que je l'aimais, je lui ai promis plein de choses. Mais je te jure, Garba, c'était vrai sur le moment. C'est comme quand tu dis je t'aime à une femme à qui tu fais l'amour. Et après, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui reste. Fais attention à ce que tu vas filmer. Hein. D'accord. Ma grand-mère quitte rarement sa chambre. Elle reste là, emmitouflée dans sa couverture blanche. Elle sort une ou deux fois par jour pour aller aux toilettes et faire ses prières. C'est cette femme qui m'a élevé. C'est cette femme qui m'a appris à raconter des histoires. Il m'arrive souvent de penser à elle quand je suis loin d'ici. Alors il suffit que je m'allonge et que je ferme les yeux pour entendre sa douce voix. Ah.
الله يلمنا بالعافية يا وليدي والله يجيبك الله يوافقك والله يهاننا والله يجمع لك بإيالك الله يلمنا بالعافية Quelques heures, je serai en France, je retrouverai ma petite vie de cinéaste exilé. Garba a décidé de ne pas partir pour les États-Unis. Il a eu une idée folle. Il a lancé une souscription pour ouvrir une petite salle de cinéma dans notre quartier. J'ai été le premier, bien entendu, à donner ma participation. Quant au petit Ali, il a promis de m'envoyer une cassette par mois pour me donner les nouvelles de la famille. Je pars, serein. Je sais que je reviendrai bientôt, très bientôt, pour tourner Bye Bye Africa.